La charade et ça. Ok. Mais je vous remercie déjà d'avoir pris le temps. C'est que ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités en ville. Donc, prendre le temps quand même de venir suivre une formation. Donc, sur le domaine qui vous intéresse, vous avez juste entendu parler, c'est quand même une bonne chose. Vous informer. Et comme je dis toujours, moi je ne suis pas du domaine de la pisciculture. Donc, je vais vous présenter mon parcours tout à l'heure. Donc moi aussi, je suis la seule de temps, comme on dit au pays. Voilà, vu que peut-être qu'il y a l'argent dedans. Donc. Et comme on dit souvent, c'est ce qui va les rendre riches. C'est peut-être c'est pas ce que j'avais imaginé. Donc, en tout cas, moi je m'appelle Agnès Pizel. Je suis la promotrice de l'entreprise Africa Food Industries. Donc, on est spécialisé dans la production, mais surtout. Notre cheval de bataille, ça va être la transformation du poisson. Donc, je vais vous présenter un peu la compagnie tout à l'heure. Comme vous avez vu là, tout ça, c'est un de nos sites piscicoles à Bibé. Vous connaissez Bibé là? Sur la muraille, Bibé à Bibé. Sur la muraille de Bancomo. Dans le village de monsieur Zombo. Dinguela, oui, Dinguela. Dinguela, oui, c'est sur la route. Oui, voilà, je suis la bonne. Il y a un départ. Donc, vous allez voir la formation, parce que j'ai une plateforme de formation qui s'appelle Agnès Education Academy. C'est en ligne. Donc, si c'est là où on dispense, je vous montre tout à l'heure les différents liens. Je ne sais pas si vous adresse, mais peut-être que je vous enverrai tous les supports. Donc, voilà, je vais prendre vos adresses, vous voyez que tu es papier. Comme ça, après, je vais vous envoyer tous les supports, même les types de formation pour poser vos questions, parce que. Je suis consciente qu'aujourd'hui, je vais peut-être encore être parti. Mais aussi, vous allez, comme il y a des difficultés dans la salle, vous allez se modifier de ce qu'on apprend ensemble. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je me suis lancé dans le domaine en 2020. En 2020, avec, comme je disais, un de mes partenaires. Donc, en tant que maman, je suis ingénieur logiciel. Donc, je travaille dans l'informatique en France depuis à peu près 2014. Je travaille tour à tour sur les projets en tant que développeur. Donc, c'est bon. un peu, mais je suis dans l'informatique à temps normal. Donc. Et je suis aussi entrepreneur donc, avec ce projet Africa Food Industries. J'ai commencé en 2020 pour passer un peu l'historique rapide. Comment est-ce que vous avez souvent posé la question visible? Comment est-ce qu'ici, c'est là, c'est dans le domaine alors que. En temps normal, ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, en 2019, quand je reviens au pays, ça faisait presque 10 ans que j'étais pour revenir ici. Quand je reviens au pays, donc, comme je fais toujours, je regarde, je prends en contact avec d'anciens camarades, jusqu'à un de mes anciens camarades d'école. Et c'est comme ça donc, que je me prends en contact avec un de mes anciens camarades qui me dit bon, Agnès, j'ai des projets, XYZ, il veut que tu m'aides. Puis tu regardes un peu dans quoi je peux me lancer, dans quoi je peux me battre, comment je peux. J'ai dit ok, je vais regarder parce que c'est quand même quelqu'un avec qui on a les gars sans nous, comme on dit souvent. Donc je regarde dans les projets et parmi les projets qui me soumettent, il y a le transport, il y a la vente des produits et il y a aussi l'agriculture. Ouais. Et comme je sais qu'on dit chez nous que la tête ne ment pas, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais parfois ça m'a dit. Donc disons que bon, comme il sait que vous avez beaucoup de terres, donc c'est un ancien camarade de classe, justement on a commencé à Bingel, là c'est dans le village. Je dis que ce serait intéressant donc que tu te lances dans l'agriculture. Parce que si moi je t'envoie les sous comme ça, comme on dit, c'est pas quand même la bonne à avoir l'argent. C'est que donner le poisson, mais pour faire que tu t'apprennes à pêcher. Donc si je me lance dans un projet avec toi, et que je m'implique vraiment, je sais que là je vais vraiment contribuer à ce que toi aussi tu développes. Et moi aussi, mon but c'est d'investir au pays. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même si on est là-bas, on sait que tout se passe ici, non? Donc c'est un peu ça. Et dans l'Éthiopie, le premier projet qu'on lance, c'est un champ de maïs, un hectare. On ne sait pas, on prend de l'hectare, on lance ça.
Je ne connais rien du tout. Hein. Oh, le maïs, c'est trop, c'est un truc que nous continuons. C'est un peu, non. Le maïs, ça ne demande trop d'argent pour vraiment faire ça de façon industrielle. Il faut avoir les machines. Ouais, il faut avoir les machines, il faut mécaniser tout ça, il faut dire que nous allons, si je n'ai pas vraiment l'argent. Donc, on a recolté le maïs, on a séché, on a fait le couscous, parce que tu es avec ça. Et après, toi, il me dit que dans le village, il y a quelqu'un qui fait la piscine, qui élève des poissons. Et je vois que quand il rentre en production, tout le village. C'est-à-dire que dans l'investissement du champ de maïs, vous avez calculé ce que vous avez investi comme moyen. Même pas. J'ai envoyé l'équivalent de 200 000, 200 ou 300 euros pour acheter les semis, payer les gars qui vont les fichiers. Et on a planté le maïs, on a même récolté, puisque on voulait les millions, on a récolté comme des pour vendre maintenant. Sur la nouvelle pour vendre, ça va être compliqué parce qu'on n'avait pas, travaillé en fait, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour vendre avant de produire. Donc, il nous a fallu qu'on se renseigne sur qui prend le maïs, est-ce qu'il y a une filière, combien de tonnes de maïs, combien de clients sont prêts à prendre le maïs qu'on va produire. Donc, nous, on a vu que, comme chacun a fait, on se lance le business et après, on réfléchit après. Donc c'est une erreur qu'on a commis. Donc. Mais en faisant les investigations, comme j'ai dit, je me suis rendu compte que le maïs, c'est tout important parce qu'au Cameroun, il manque le maïs. Il manque, on fait que les choses avec le maïs, mais il fallait quand même que pour vraiment avoir, on va dire, pour vraiment faire ça de façon industrialisée pour les machines, vous n'allez pas cultiver 400, 200 hectares là. Vous n'allez pas donc. Il faut, si vous avez le livre, donc j'ai le livre derrière, là. Vous connaissez Loïc Armand, vous le souvenez, connaissez l'ambassadeur du maïs au Cameroun, c'est lui qui fait le maïs. Donc. Regardez sa page sur Facebook, c'est lui qui fait Sekoutia Academy, quelque chose comme ça. Donc lui, il a des hectares de maïs, et tous les jours il parle de ça sur sa chaîne YouTube, il faut mécaniser, il faut, parce que c'est le lien de la guerre. Bon. Il faut que ça demande beaucoup de moyens par rapport aux moyens que moi j'avais à l'époque. Moi je faisais juste là comme je l'ai dit, c'était pour aider mon ami. Et en même temps, pour commencer à expliquer, pour avoir un pied, on va dire, commencer à me lancer le business au pays, pour apprendre aussi. Vous savez, on a eu besoin de faire des erreurs, mais il faut que j'apprenne. Donc voilà. Donc comme je disais, donc, après donc, on s'est lancé dans la pisciculture parce qu'il a déjà une personne dans le village qui faisait déjà cette activité-là. Et il a dit que j'ai dit, donc, va te renseigner. Justement, on est allé à l'UPAP, la EPAP, l'école de pisciculture et l'agriculture de Guinée-là. Donc j'ai dit, va te renseigner là-bas, prends les informations, ça peut être intéressant. Si le monsieur qui est dans le village fait de l'argent, pourquoi pas? Et comme je sais que dans les terrains familiaux, ils ont une partie marécageuse. Et donc, être dans le marécage, donc ça demande moins d'investissement que si on était dans les grosses. Bon, en tout cas, il faut évaluer les coûts de départ. Donc, je suis aussi auteur, comme je disais tout à l'heure, j'avais un livre derrière là-bas. Donc, j'ai écrit un livre pour partager mon expérience parce que je me suis rendu compte que les Africains prennent très peu de temps pour mettre leur expérience par écrit. Nous, on a les grands entrepreneurs à ce pays-ci, mais ils ne sont pas. Ils sont partis. On sait qu'ils ont fait de grandes choses. Mais quand tu vas regarder alors quel est donc l'héritage qu'ils ont laissé aux générations qui viennent, parce qu'on a toujours besoin, comme vous, le distributeur, je suis votre entrepreneur, vous allez faire vos propres erreurs, même si on vous donne la formation là. Il y a des erreurs que vous-même, vous allez faire. Automatiquement, parce que c'est dans le cas que tu vas découvrir toi aussi. Et donc, quand vous avez fait cette erreur-là, c'est intéressant de documenter. C'est pour ça que moi, je me suis dit, parce que tous les jours, quand j'ai une chaîne YouTube, quand je m'appelle YouTube, ma soirée business, où je partage ce que je fais. Et les gens sont intéressés de mettre des jours. Oui, Adèle, comment faire ça? Comment tu fais ça? Donc, j'ai tellement eu mal de répondre. Je me dis, il faut automatiser. Bon, c'est vrai, avoir ma formation d'informaticien qui parle. Il faut toujours automatiser, trouver un moyen de. Et un livre, c'est comme une clé. Le livre va vous ouvrir les portes. Moi, aujourd'hui, je m'appelle peut-être partout pour aller faire des conférences. Après, un livre. Donc, c'est toujours intéressant de prendre le temps de coucher sur l'expérience sur un papier. Donc, vous écrivez ça.
Peut-être que pour vous, c'est, ça vous paraît un peu simple, mais pour quelqu'un comme ça qui est totalement novice, parce que moi, au départ, quand je me suis lancé, j'ai cherché partout les formations dans la culture, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé une formation d'investir au bio de tenir le collègue Philippe Simon. Donc, il faisait quelques bacs hors sol à Douala, dans la petite civile. C'est ça que j'ai pris des. Aujourd'hui, avec le recul, au départ, il fallait que j'ai les bases. Là, au moins, avoir le vocabulaire, quand on parle de à leveur, on parle des temps, il faut quand même comprendre, parce que quand le technicien va voler, et qu'il vous dit qu'il faut acheter 4 à leveur, si vous n'avez même pas que ça va être des petits poissons, ça va être compliqué. Donc, pour moi, c'était qu'il fallait quand même que j'ai le petit vocabulaire. C'était la formation qui allait me permettre de connaître tout, parce que je savais que j'allais apprendre sur le tas. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.